Bonjour, vous connaissez le principe des vidéos, essayez de ne pas rire. Le concept est simple, on regarde des compilations de vidéos drôles et il ne faut pas rire. J'ai voulu reprendre ce concept en rajoutant ma patte. Ça c'est ma petite patte. J'ai demandé à des potes de préparer des vidéos faites maison, donc des vidéos tournées au téléphone, toutes simples, et je les ai invités chez moi pour qu'on découvre les vidéos des uns et des autres sur ma télévision. Évidemment, interdiction de rire, ceux qui rigolent trop seront éliminés. C'est parti. Donc pour cette vidéo, j'ai invité mes amis, des amis de qualité. Nous avons David, Valentin, Mélodie, Arthur et... Il ne voit rien. Monsieur Pouce. Oh pardon. Valentin, peux-tu nous donner la règle? Alors c'est très simple, s'il y a un rire sonore, c'est un carton jaune. S'il y a un deuxième rire sonore de la même personne, c'est un carton rouge et nous partons derrière dans le camp des losers. Mais les losers pourront rire à gorge déployée pour déstabiliser ceux qui participent encore. Ceux qui corsent la partie au fur et à mesure. Après, c'est pas parce qu'on rit pas qu'on trouve pas ça drôle. Oui. Hein oui. Le non-rire ne sera pas un jugement. On se fait un pacte, personne ne se vexera personne à l'issue de ce tournage. Oui. Vous êtes tous drôles, d'accord? Je conseille de rire un bon coup maintenant. 3, 2, 1, terminé. Finito de rire. Qui a une main innocente? Être le premier, je trouve que c'est terrible. Mélo! Non! Ça va pas être facile, hein. Ah, ça va pas être simple. Non. Il a failli avoir une chute qui a failli m'avoir, là. Je propose qu'on débatte. Comment t'as conçu la chorégraphie? Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Elle a commencé à répondre, après elle a arrêté de parler, elle a baissé la tête au milieu de sa réponse. Elle était honteuse. Moi, ce qui m'a tué de rire, c'est horrible. C'est qu'il n'y avait pas de chute dans la vidéo. Oui, ça s'arrête. C'est vraiment, la danse s'arrête en plein milieu. 3, 2, 1, c'est ciao, Bella ciao le rire. Ah, poulpe. Bonjour, aventurier. Vous aimez les trésors? Pas de problème. Mais pour avoir de l'or doré, il faut utiliser un peu de magie. Je vais prendre au hasard quelqu'un. Toi. Moi. Lève-toi. D'accord. Lève-toi, rapproche-toi de moi. Oui, c'est ça. Et donne-moi ton or. Allez, vas-y, oui. C'est ça, remplis mon trésor avec ton... Oui, ton produit doré. Tourne-toi, baisse ton pantalon, et non. C'est parti. Non. Hop là, des petites crottes. Oui. Ha ha, le trésor du capitaine Proutax. Je voulais remercier Laurie Tillman. Qui a fait le pipi et les cacas, pour de vrai. Oh putain, j'ai tenu jusqu'à Proutax, putain. Si je résume, il y a une ancienne Miss France qui a acheté des boulettes de mer dans un verre. Ouais, okay. Et du pipi avec une seringue. C'est brillant. C'est incroyable. Bel bon après-midi. 3, 2, 1, stop le rire. Ah bah c'est moi, tiens. Bonjour, je m'appelle Arthur, et mon talent c'est que je sais imiter les sons du bruit du quotidien. Comme par exemple l'aspirateur. Oui. Personne ne se vexera à l'issue de ce tournage. On passe à la vidéo suivante, moi je propose. Eh bien David. Salut, je me présente, Arnold Rouchmer. Donc du coup j'ai un groupe de rock kabylie depuis maintenant 5 ans. Je fais, malgré le confinement, le Covid, tout ça, un concert au café de la plage. Je te mets sur liste et ça va swinguer mon gars, ça va swinguer mon gars. Mais en fait moi ce qui me... C'est à chaque fois que ça s'arrête net sur un truc nul. C'est une croque sur ta tête, gars, c'est pas possible. J'ai cru que c'était une croque. Au début, j'ai cru que c'était le filtre crosse. Carton jaune pour Nathalie. Valentin. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais maigre, que je ne servirais jamais à rien. Tiens, Valentin, ça fait combien de plus 2? Ah bah non, tu sais pas, t'es trop maigre. Sauf qu'aujourd'hui, je ne rigole plus. J'ai décidé de prendre les choses en main et je me suis inscrit à la salle de sport. Sauf que ça s'avérait plus difficile que prévu. Et 2 ans plus tard, les résultats étaient là. Et ce résultat, tu l'as eu en combien de temps? En 2 ans. C'est hyper produit, hein. Non, oh non, putain, ça m'a fait rire. Mais
Exactement. Oh non. Tu viens de perdre 1 kg sur ma jambe. Ah, je suis désolée. Qui veut un petit sopalin? Mon dieu, putain. Ce qui a failli me faire craquer, c'était la gueule de poulpe quand il a vu le avant-après et il a tourné la tête. Et ouais, moi, ça me fume, le avant-après, moi, ça me fume. Moi, c'était un voix. Les amis, on se ressaisit. Enfin, on se ressaisit pas, je vais balancer mes trucs et c'est vraiment médiocre par rapport à vous. Tu dis top, on rit plus. Hein. 3, 2, 1. Top. J'ai craqué deux. Ça va ouais. T'as pas trop mal tu... Ça va. Ah putain. Alors j'ai voulu prendre les photos qui me touchaient le plus de vous tous. T'es un rire enregistré déjà? Non, c'est des rires libres de droit. D'accord. Je suis content, des rires que, que t'aies des beaux souvenirs de nous. Mm. J'aime bien cet arrêt sur image aussi. Et si on passait à la vidéo suivante? Ah, bien ouais. Sûr. Je tire parce que je suis le dernier à avoir rigolé en date. Bien, ouais. Très bien. Natou à nouveau. Tiens, à nouveau. Alors, j'en suis pas méga fière. Arrête de te dévaluer tout le temps, Nathalie! Et voilà. J'en ai marre maintenant! Ça, c'est mon point faible, par exemple. Pareil. C'est fou. Enfoiré. Alors passons à la deuxième création de Nathalie. Voici ma blague. On m'a offert un lecteur vinyle. Du coup, je me suis acheté mon premier vinyle. Lana Del Rey. Je vous propose de l'écouter. Non. Heureusement qu'il n'y avait pas plus. T'avais jamais eu de vinyle avant? On me l'a offert il y a 3 jours. Ça a mis le feu? David, ça, quand t'as mis le... Ça a mis le feu dans la... Ça a mis le faillot. Ah, ça a pété. Ouais. Mais très bon mastering, hein. La reverb et tout, incroyable, putain. On enchaîne? On n'a plus le droit de se cacher. Tu faisais la bouche. Ça? Oui. Allez, hop. C'est qui? C'est Wham. Vas-y. Vous pouvez regarder, c'est okay. Bon. T'as vu là-bas? C'est trop beau, n'empêche. C'est trop beau. J'étais pas fan de la piraterie depuis une heure. Hein. C'était pour cacher mon chalazion. Pour l'effet comique. Mais ça fait mal ou pas? Alors avec l'œil de pirate qui me frotte depuis une heure, ouais. Du coup, ça t'est arrivé quand? Je cache depuis une semaine pour aujourd'hui. Mais non. Ouais. C'est douloureux? Ça use quoi, ouais. C'est un peu. Mais là, ça va mieux là. Merci, c'est gentil. Bon, ça va, ouais, tu vas sur du mieux. Ça a été très dur. Si on passait à la vidéo suivante. Qu'est-ce que c'est dur, oh là là. Valentin. Putain, je vais encore rigoler à ma propre vidéo. Et salut tout le monde, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Là, je viens de m'acheter un nouveau Mac et je vais vous montrer comment faire une recherche sur Google. Alors, on tape par exemple Fortnite dans la barre de recherche. Voilà, et puis là, bah, vous cliquez sur le lien que vous voulez. Ici, il y a les vidéos, ici l'actu, ici les images. Pour augmenter le volume, vous avez les petites touches volume pour augmenter ou baisser le volume. Tu n'as pas le droit de rire. Ah, on n'a plus le droit, quand il y en a un qui rit, on a plus le droit. Ça continue. Ça doit être mon frère qui a dû laisser l'ordi sans surveillance. Mais t'es malade! Ah, j'ai cru que j'allais vomir tellement je me retenais, ça me faisait mal. C'est carton rouge, mon pote. Arthur qui a perdu. Arthur, t'as pété un câble, mon pote. Arthur, il est miné. Oh, les bruits de paix, moi, les gars, à un moment donné. C'est vraiment dur. Avec la respiration et tout. La respiration angoissante et tout. Le mec bizarre, c'est pas possible. Lélé, viens. Ah, moi j'ai pas de jaune, moi j'ai rien. Moi non plus. Non, enfin, ah, okay. Vous deux, vous okay. Avez rien. Ça va partir en finale. C'est parti. Ouais. Qui suis-je? Harry Potter. Qui suis-je? Harry Pasta. Qui suis-je? Harry Pesto. Personne ne se vexera à l'issue de ce tournage. Très bien. Merci pour ce voyage culinaire. Pas de problème. Et je pense qu'on peut corser aussi la partie. Les rictus ne sont plus autorisés. On peut sourire, mais pas de dents apparentes. On peut sourire comme ça?
j'allais dire. C'est une belle non, alors pas de bouche ouverte et pas de dents. On a le droit à ça. D'accord. D'accord, ok. Poulpe. Je vais attraper cette bouteille en trompe-l'œil. Natou. Je savais que t'allais rire. C'est du mentalisme. Mais c'est interactif, non, une fois de plus. T'es médium. Non, je crois pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que ça compte? Bah oui, j'ai un truc. Ok, je sors. Ok, je sors. Oui, toi. Bienvenue. Salut Arthur. Voilà, venez, installez-vous tout de suite. Je suis où? Valentin. Merci à toi qui a cliqué sur cette vidéo. Moi, je m'appelle Eugène. Je suis ici pour te faire un petit cours de rigologie. Voilà, expulser le stress par le rire. Tu vas voir, ça va bien t'aider. Pas du tout. Pas du tout, la vidéo d'aujourd'hui c'est pas ça, je suis désolé. La vidéo d'aujourd'hui c'est un jeu d'acteur. On va jouer l'homme qui apprend que son père est mort. Allô, oui? La gendarmerie. Mon père, tout va bien? Mais non, mais comment c'est possible qu'il soit mort si jeune, putain? Et qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Allô? Oui, c'est moi. L'histoire. C'est si long. Il y a vraiment son père qui meurt, putain. Ça va? Non, attendez. Non, mais. Enfin, oui. Ça vous a plu? Non, et puis la petite surprise du boxeur. Ouais. Ça, c'était. Je comptais là-dessus, ça n'a pas marché, ouais. Malheureusement. Natou. Oh, il est trop mignon. C'est votre bébé? Oui. Tu peux le toucher? Oui. Non. C'est une bonne idée. Et puis alors, au montage, c'était hyper bien. On va corser le niveau. Là, il n'y a plus de sourire possible. Il n'y a plus d'épaules qui se secouent. Il n'y a plus poker d'émotion, face, c'est poker terminé. Face, poker face. Mélo. Que dit un escargot quand il croise une limace? Oh, la belle décapotable. Oh. Comment s'appelle le cul de la schtroumpfette, le Blu-ray. Il y a deux têtes qui sont tombées. Ouais. J'ai pris un carton jaune. Oui, mais je crois qu'il y en a un autre. Il y a des épaules. On t'a vu te secouer, David. Quoi? On t'a vu. j'ai beaucoup tu aimé. Tu souriais. Donc du coup... Tout le monde a un là, jaune. Tout le monde a un jaune. On est tous à égalité, en fait. Le moindre mouvement d'épaule, c'est derrière. Eh bien, David. J'ai un petit rire quand même, je m'en vais. Oh, t'as ri? J'ai juste souri. Ah ouais, c'était dur, hein. À la fin, le ta-ta-ta-ta. C'est vrai que c'est dur à croire, mais il arrive vraiment à le faire lui-même. Ok. Moi, j'ai un bonus. David a un bonus. Hey, mec, t'es où, mec? C'est le livreur, j'étais nem. Ça va refroidir, j'étais nem. Hey, mec! C'est le livreur, je suis le livreur. Mon vélo est très très mal garé, j'aimerais bien, si vous pouvez juste vous dépêcher s'il vous plaît, parce que du coup, sinon je vais avoir des problèmes. Le visage rétrécit, il a de moins en moins de sens. Mec! Il rit de sa propre vidéo. Les
amis, c'était incroyable. Franchement, j'ai adoré. Moi, je conseille les gens de faire ça entre eux, quoi. Mais c'est affreux de pas rire. Hein. C'est terrible. C'est une torture. Ah, c'est horrible. Riez, les amis. En tout cas, si vous cherchez des idées pour rigoler en soirée, vraiment, je vous conseille de faire ceci. Et j'aimerais qu'on finisse sur un zoom de l'œil de poulpe. C'est l'œil qui ressort. L'œil qui ressort. L'œil qui ressort. C'est saison 2. Saison 2. Hey, mec, t'es où, mec? C'est le livreur, j'étais nem, mec. Ça va refroidir, j'étais nem. Hey, mec! C'est le livreur, je suis le livreur, mon vélo est très très mal garé, j'aimerais bien, si vous pouvez juste vous dépêcher s'il vous plaît, parce que du coup sinon je vais avoir des problèmes. J'ai vos nems. Mec!